Bonjour tout le monde, on se retrouve de bon matin, on est lundi, début de semaine. On a ressorti bah, comme ce week-end les manches longues et regardez qui c'est que j'ai retrouvé. C'est mon petit Ney, mon petit Eden. Et donc là on va faire les petites courses que demain matin on part en vacances. Donc nous allons à Nice et on y va de mardi, donc de demain à dimanche. Et après on va faire un petit week-end en invité chez un couple d'amis à Marseille. Donc si vous passez par là, des bisous, vite ce week-end. Et du coup je n'ai pas de brassard pour Eden puisque la dernière fois qu'il prenait... Attends, on va s'arrêter parce que je manœuvre pour sortir de ma case. Je vais prendre des brassards pour Eden, donc les grosses bouées parce qu'il avait que le gros truc de tout petit bébé. Maintenant c'est bon, il est plus grand. Et des couches spéciales pour dans l'eau. Et un petit seau avec tous les petits jouets pour la plage pour Eden. Et puis le reste, on a déjà la tente anti-UV. Donc on va pas prendre en plus un parasol. Je pense que ce sera déjà suffisant. Donc c'est parti. Je viens de rentrer. Je vous ai pas filmé parce que je n'ai pas pris le caddie pour qu'Eden puisse marcher avec moi en grande surface. C'est la première fois que je le faisais depuis longtemps. Et franchement, ça s'est super bien passé. Il a pas du tout cherché à courir dans les rayons. Il me suivait sagement. Il me donnait bien la main. Je suis très fière de lui parce qu'il était très sage. Donc j'ai trouvé une petite paire de brassards classiques. C'est très compliqué de trouver des trucs pas avec des dessins. Enfin là ici il y a des dessins tortues mais pas avec forcément du dessin de Disney. Puisque même j'ai trouvé donc ces petites chaussures, donc ces petites tongs mêlées. Parce que sur les gars il y a un petit élastique derrière, c'était en promo 5€. Donc là c'est un dessin animé, c'est pas de patrouille, mais une fois qu'il y a le pied dessus on voit plus le truc. Et je lui ai pris qu'il est bien fendu avec. Son seau et ses pelles. Donc ça quand il l'a vu que je lui ai donné, il l'a porté tout le long des courses, il était tout fier et tout. Ah, il y a Lily qui s'est réveillée. Oh, ma petite Lily est toute fatiguée. Fais dodo. Fais dodo. Oui. Bon, on se retrouve en début d'après-midi. Eden est à la sieste. Je n'ai pas encore commencé valise. En fait, il faut savoir les filles, je me suis trompée. On part pas demain, on part mercredi. Et j'ai rappelé le truc de location pour vérifier l'heure d'arrivée. Mais elle me fait, mais c'est pas mardi, c'est mercredi. Et là, j'ai fait, heureusement que j'ai rappelé parce que sinon, on aurait débarqué demain. Et je sais pas où on aurait dormi, mais pas dans la location qu'on avait prévue. Hein. On aurait trouvé un pont. Donc voilà, donc finalement on part pas demain mais mercredi. Donc d'un côté ça me laisse une journée en plus pour tout préparer parce que c'est un peu speed. Lily est donc juste à côté de moi. Anthony a voulu lui faire bronzette dehors puis il s'est rendu compte qu'il était en train de cramer alors il vient de rentrer dedans. Parce que franchement là par contre, il fait, je sais pas chez vous mais nous il fait super beau. Ça fait du bien le retour du soleil et de la chaleur parce que franchement... Le week-end, il n'était pas bon du tout. Et voilà, Anthony est en train de aller faire un aller-retour. Comment ça s'appelle ? À la poubelle. Donc, il est en train de remplir tuture. Parce qu'il faut qu'on vide garage. Tout simplement. Hein ? J'ai dit que tu étais en train d'aller... c'est comment ça s'appelle ? J'ai perdu le nom. À la déchetterie. Ouais. Merci, merci. Hein ? Tout ça ? À mon bébé ? Ah ouais? Ah! Oh! Ouais, c'était comme ça quand il faisait froid. Hein. On est mieux ici. Hein. Bah ouais, je t'ai manqué, hein. C'est surtout ça, je t'ai beaucoup manqué. Ah mais mes mères. Je t'ai beaucoup manqué en fait. Hein. C'est pour ça que c'était ça n'est pas. Hein. Maintenant t'es là, hein. Ah t'es mieux. Hein. Ah bah ouais. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est 100 fois mieux. Attends. On s'ennuie pas avec papa au moins, hein? Oui, oui, ouais. Oh, t'es d'accord avec moi, hein. Mais je sais, hein. Mais elle est quand même bien, maman, hein? Elle est bien, maman, quand même. Hein? Non? Ouais? Bon, bah ça va, alors. Oh, les conversations avec ma petite. Bah là, ça va, elle est bien réveillée et tout. Impeccable, elle est pas grognon, hein? Mais t'es pas grognon, hein? Non, pas du tout. Je vais te mettre dans ton petit parc parce que faut que j'aille réveiller aussi ton frère. Faut que j'aille réveiller ton frère parce que c'est 17h37. 36. Allez chercher Eden. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Coucou. Coucou. Bah alors? Bah t'es où? Non, il est là le bébé. Ça va? Coucou. Tu es là mon pépère?
Tu viens? Tu viens? Allez, viens. Tu viens? Tu viens? Tu viens? Tu viens, mon petit mec? Hein? Me voilà, un grand bébé. Un grand bébé, bien réveillé. C'est très bien, ça. Bien. Ça va? Ouais. T'es bien gentil, papa, mais bon, je vais faire autre chose. Ouais. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still craving for. I'm still wanting more. Manger à Tigrou, mon cœur. Attention, le pauvre garde, il peut pas manger comme il faut là. Alors, ah, Tigrou, il faut mettre les mains sur la table, c'est très important. Tu pousses sa chaise, mon cœur, pour qu'il soit bien installé. Ah, il a piqué ta place. Ah oui, là, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, caca, mais tu m'as sali la table quand là, j'ai pas vu ça. Monsieur Tigrou, qu'est-ce qu'on lui fait manger à Tigrou, mon cœur? On lui met le bavoir? Ah oui, il est bien installé. Tu lui mets son bavoir à Tigrou? Mets-lui son bavoir, vas-y. Mets le bavoir à Tigrou. Waouh, voilà, Tigrou, il va pouvoir manger. Ah ouais, on va pouvoir le faire manger, Tigrou. Hop, hop là, regarde, on lui met comme il faut. Et voilà, on en fait boire Tigrou? Il a soif? Tu veux boire, Tigrou? J'avais bien soif. Ah, il t'a piqué ton verre, hein? Ouais, oh, tu piques pas mon verre, hein, Tigrou, hein? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu dis, mon cœur? Il veut la croix. Oh non, hein, il pique pas ta place. Hein. Hop. Non, non, non. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a? Il a la couche sale, Tigrou? Oh oui, on l'installe. On lui remet son petit bavoir. Oui, mon bébé. Oui, oh, c'est bien, mon cœur. Faut bien lui mettre autour du cou, mon cœur. C'est pas comme une couverture. Tu veux lui mettre en couverture? Oui, oui. Ouais. Et on le fait boire. C'est bien. Oh oui, hein, faut pas qu'il boive toute ton eau, hein. Ah, mais oui, il y en a plus. On va en remettre. Tu veux que je remette de l'eau dans le verre, Enan? Oui. Hop, allez, maman va remettre de l'eau dans le verre. Oui. Faut l'installer comme il faut. Tu as raison. Voilà, c'est bien, on se met comme il faut à table, Tigrou. C'est important, sinon on met de l'eau de partout et on a mangé de partout après. Mais Tigrou! Oui? Voilà, tu peux donner à boire à Tigrou. Oh, dis, il a des grands soins, dis donc, hein? Oh là là, il a tout bu! Il a fini de manger? Ah bah oui, il s'est trempé de partout en buvant de l'eau. C'est un petit coup. Elle est là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Vite, on va le mettre à sécher. Tu le mets dans le transat? Tu le mets dans le transat comme Lily Rose? C'est l'heure du coucher des bébés. Lily aussi. Comment dit beau doudou? Allez, monte mon cœur. Regarde, qu'est-ce que t'as vu par terre? Allez. Toi. Oh bah des fesses de chouchou. Oui, bah désolé. Non, mademoiselle, on va aller au dodo.